Alors, je vais revenir sur les propos de MDK. À la veille de sa mort, voici le message qu'elle a laissé. Sortez famille, le père de Marie-Dominique partage et décortique le dernier message de sa fille. Ça m'a laissé son voix. Donnons nos vies à Dieu, car le temps n'est en faveur de personne. Écoutez jusqu'à la fin et tirez des leçons dans ces dix familles. Alors, je vais revenir sur les propos de MDK. À la veille de sa mort, voici le message qu'elle a laissé sur sa page. Je vais vous lire. La bienveillance peut être dans le regard, le sourire, l'écoute active, le toucher, l'attitude. Face à la ruse, la jalousie, la haine, l'ego qui se normalise de plus en plus, la bienveillance, est une arme absolue, une vertu à cultiver et à pratiquer sans honte, sans modération. Voici en quelque sorte le message que MDK nous a laissé avant de nous quitter. Qu'est-ce que c'est triste? Qu'est-ce que c'est évocateur ce message? Mais avant d'entrer dans le décryptage proprement dit de ce message, j'aimerais quand même vous faire revivre quelques situations que nous vivons dans la société, parce que c'est en rapport avec ce qui nous arrive dans notre société. Et pour cela, pour ne pas montrer ma faiblesse devant vous, vous allez m'excuser, je vais essayer de faire passer mon image, et puis comme ça sera plus facile pour moi. Je me sens trop triste pour ne pas pleurer devant vous. Voilà, excusez-moi. C'est comme ça que je vais fonctionner. Voilà. Voilà. C'est comme ça que je vais fonctionner. Excusez-moi de mettre cette image comme ça. Je serai un peu plus à l'aise parce que je suis très touché par la disparition de MTK. MDK, qui pourrait être une fille pour moi parce qu'elle est décédée à l'âge de 33 ans. Moi, j'en ai 52 ans. Donc, elle pouvait être une fille pour moi, MDK. Ouais. Mais je tenais quand même à faire ce direct, à vous expliquer la notion de bienveillance, mais en même temps, à vous traduire avec toute la latitude, ce qui se passe dans nos vies, dans la vie de tous les jours, en vérité. Et comme vous le savez, travailler à la télévision est à la fois une fierté, mais aussi une lutte effrénée où à tout moment, on peut être évincé, voire éjecté de son fauteuil, de sa place, de son poste. Obtenir un emploi n'est pas toujours facile, vous le savez. Quand autour de toi, les gens constatent ta progression, les gens sont convaincus de ta capacité à jouer bien et pleinement ton rôle, tu commences à devenir une menace pour les autres, pour tous ceux qui vous entourent. La peur s'installe dans leur esprit et ils commencent à se méfier de vous. Parmi vos collaborateurs, vous trouverez certains qui seront sincères et fiers de vous, alors que les autres, très malveillants, souhaiteront votre chute parce qu'en réalité, ils vous ont toujours jalousé et les plus méchants ne supporteront pas votre présence à leur côté. Parce qu'ils ont un ego démesuré pour les uns et sûrement dissonné pour les autres. Oui, qui les pousse d'ailleurs à te mépriser, à te réduire jusqu'à ce qu'ils parviennent à te détruire, à te rabaisser au point de ne plus vouloir travailler parmi eux. Et si tu ne prends garde, tu finiras par démissionner. Voici ainsi résumé les propos de Marie-Dominique Kakou. Quand on analyse ce qu'elle a dit, on comprend qu'elle a connu des moments de frustration, de dénigrement, des douleurs qu'elle a dû emmagasiner pendant longtemps. Mais cela ne l'a pas empêchée de résister à cette adversité au travail. C'est vrai qu'elle n'a jamais eu de promotion, hélas. C'est vrai que malgré son talent, et le travail abattu, elle n'a jamais eu la reconnaissance escomptée.
encore moins des félicitations de sa hiérarchie. Cette situation, chacun de vous l'a certainement traversée dans votre quotidien, dans votre entourage. Nous avons connu tous par moments des frustrations, des critiques acerbes de notre hiérarchie et parfois dans notre entourage. C'est pour toutes ces raisons que Marie-Dominique Kakou a fait ce poste afin de vous inviter à cultiver la bienveillance. Est-ce que vous savez ce que c'est la bienveillance? La bienveillance n'est rien d'autre que cette capacité qu'a une personne qui pour faire preuve d'empathie et de gentillesse. Oui, les personnes bienveillantes, ce sont les personnes qui font preuve d'empathie et de gentillesse. Et c'est à cela que Marie-Dominique nous invite à devenir, à le faire. Oui, Marie-Dominique, malgré tout ce qui, toutes ses frustrations, a cultivé quand même quelque chose de très important qu'elle voulait partager avec nous avant de nous quitter. Cette chose n'est rien d'autre que la bienveillance. Revenons un peu à sa phrase. Quand Marie-Dominique nous dit, la bienveillance peut être dans le regard, le sourire, l'écoute active, le toucher, l'attitude. Vous vous rendez compte et vous êtes d'accord avec moi que ici, Marie-Dominique est en train de faire ressortir tous les organes de sens. Ce qu'on a appris à l'école primaire, quels sont les organes de sens? Parmi les organes de sens, nous avons la vue, nous avons le toucher, nous avons le goûter, nous avons l'odorat. Tous ces organes, Marie-Dominique a réussi à la faire ressortir autour de cette notion de bienveillance, juste pour vous faire comprendre que, arrivé un moment de votre vie, quelle que soit l'adversité à laquelle vous êtes confronté, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quelles que soient les méchancetés des uns des gens autour de vous, malgré leur ruse, malgré leur jalousie, malgré leur haine, malgré leur ego qui se normalise de plus en plus, la bienveillance pour Marie-Dominique est une âme absolue. Oui, elle a bien fait de le dire. Parce que à partir de ce regard, à partir de ce toucher, à partir de cette écoute, à partir de ce sourire que vous transmettrez dans votre entourage, vous allez réussir à captiver l'attention même de vos ennemis. Et c'est en cela que Marie-Dominique vous invite à devenir, à cultiver cette bienveillance. Oui, parce que à côté de cette bienveillance, c'est une façon pour vous de donner une réponse à toutes ces émotions qu'elle a citées. Quand elle dit, face à la ruse, la jalousie, la haine, l'ego qui se normalise de plus en plus, la bienveillance est une âme absolue. Elle a bien raison de le dire. Quand vous sentez des personnes jalouses autour de vous, quand vous sentez des personnes qui médisent autour de vous, quand vous sentez cette médisance, quand vous sentez cette haine, quand vous sentez des personnes qui ont des égos surdimensionnés au point de vous rabaisser sans cesse, ce que vous devez faire en retour, vous devez affûter votre âme. Et la meilleure âme à affûter ici, il s'agit de cette bienveillance. Et Marie-Dominique a réussi à le faire. Vous n'avez jamais senti Marie-Dominique, voilà, en train de se méprendre. Vous n'avez jamais senti, un tant soit peu, Marie-Dominique en train de se complaindre. Oui, elle a réussi à masquer, à cacher tout ça, malgré ses frustrations. Elle nous a toujours montré ce sourire qui traduit sa bienveillance, évidemment. Chers followers, c'est une invitation au voyage que Marie-Dominique vient de nous donner. Je vous invite à cultiver cet amour, cette attitude, à prendre de la hauteur, à élever son esprit de sorte que vous puissiez cultiver cette gentillesse, vous puissiez cultiver cette empathie, j'ai envie de dire. Parce que quand tu sens venir le danger, quand tu sens que la personne en face est jaloux de vous, ne vous apprécie pas, se croit supérieur à vous, vous méprise, disons, lorsque tu constates toutes ces émotions qui gravitent autour de ta personne, ce que tu dois faire, tu ne devrais pas te fâcher, tu devrais plutôt essayer de te retracter et tu dois affronter toutes ces émotions. Et face à ces émotions, il est important pour toi de montrer que il existe une méthode plus simple,
plus douce et plus rassurante, qui n'est rien d'autre que la bienveillance. Et c'est en cela que Marie-Dominique vous invite à être bienveillant face à l'adversité, face à la méchanceté, face à la jalousie. Vous voyez, elle a réussi à rapprocher, à faire une similitude, à trouver le parallélisme entre ces différents organes des sens, d'une part, et les émotions qui nous animent lorsqu'on regarde en face de nous, lorsqu'on est face à cette adversité, à cette jalousie, à cette haine, à cet ego, pour pouvoir les traduire en actes de bons actes, pour pouvoir les entremêler, les confondre et les transformer en un acte positif. Et vous demande bien entendu d'être bienveillant à l'égard de toutes ces personnes qui ont envie de vous de faire du mal. Oui, Marie-Dominique n'a jamais eu de promotion. Et pourtant, ça fait bientôt 4 ans qu'elle était à son poste, qu'elle était toujours présente. 4 ans qu'elle s'est donné autant d'amour, qu'elle s'est donné tant de dextérité pour pouvoir être dans sa meilleure version d'elle-même. Oui, voici une chroniqueuse qui a été avenante, une chroniqueuse qui nous a montré ce que c'est l'amour, une chroniqueuse qui était là pour tous ses invités, qui elle trouvait toujours les mots pour pouvoir les défendre lorsque les autres chroniqueurs ou bien chroniqueuses arrivaient à les rabaisser. Oui, Marie-Dominique a été toujours du côté des faibles. Elle a toujours voulu être le porte-flambeau de tous ceux qui se sont sentis humiliés, qui se sont sentis réduits, qui ont senti leur ego frappé, rétréci, j'ai envie de dire. Marie-Dominique était là pour toutes ces personnes et elle continue de là où elle se trouve à être là pour nous. Chers followers, ayez une pensée pour notre chroniqueuse, la chroniqueuse la plus émérite du micro que j'ai pu connaître. Il s'agit de Marie-Dominique. Je vous demande de faire passer ce message. Il y a rien, il y a tout.